I have been to many festivals of street art around the world, and some are very big festivals, and some are small part, but of a very large music festival or film festival or something like this. And it is very unique here in Reunion Island. It's just beautiful, the energy and the spirit of street art. It isn't so much illegal. Everyone seems to accept it the way that they do in Europe. Art is, and culture is very important to everyone in Europe. In America, it's the dollar and sports. But all over Europe, you see, appreciate culture and art, and you know the reason why there is wall painting and murals and street art, and it is a very inspiring situation here. And I love the fact that they want to do a street art museum, and this was the very first festival, and there will be more, I hope. Echo Alessa. Alessa étant mon crew, je suis un graffeur de l'île de la Réunion. Je fais partie de ceux qu'on appelle les old-timers. J'étais là au tout début du mouvement. J'ai vu ce mouvement grandir et j'y suis encore. Et j'ai toujours vu ce type de festival ailleurs qu'à la Réunion. Ici, à chaque fois qu'il y avait un festival, quand il y avait une manifestation, les graffeurs sont toujours sur le côté. C'est très bien, ils font des décos et tout, mais c'est pas eux les vrais stars, tu vois. Des chanteurs, des danseurs, etc. Et là, avec l'avènement du street art, avec tout ce mouvement qui s'est démocratisé, je pensais que c'était important d'avoir un festival pour les artistes. Et surtout un festival fait par des artistes, pour des artistes. Je fais partie des organisateurs avec mon pote Echo, la Sacrou. Depuis 3-4 ans, on s'est dit, mais si on ne va pas le faire, personne ne va le faire. Et donc, on s'est mis à la tâche. Cette année, c'est parti. Le premier festival international de street art et graffiti est réel, quoi, est vrai. Je trouve ça une très bonne initiative d'avoir fait ça. C'est très intéressant aussi qu'il y ait des gens qui viennent d'ailleurs. Pour ne citer qu'elle, les Deeping, qui est quand même une des références en termes de graffiti, qui m'a influencé, qui nous a influencé, et ça remonte à plus de 30 ans déjà. Ce qui est agréable, c'est de voir des gens qui se sont posés, des réunionnais qui ont vécu à la fois à l'écart de la métropole, tout en vivant ce qu'on a appelé le graffiti de leur manière, qui l'ont développé à leur manière et qui l'ont très bien développé. Pour l'instant, ça a été que de la super réception, des super ondes, des gens super, donc voilà. Je kiffe parce que c'est vraiment familial, quoi. Ça, c'est le truc. Mais je pense que c'est un festival qui va se développer au fil des années et je pense qu'il y a un potentiel énorme. Il y a les enfants qui sont là avec nous. Moi, j'aime bien ce côté un peu familial aussi, où on est là, on discute, on mange ensemble. Voilà, c'est revenir un peu aux sources et pas tout le temps penser qu'à soi, faire des expos, penser à sa carrière artistique personnelle et tout. T'entends, des fois, c'est bien de se poser avec d'autres graffeurs, d'autres artistes et partager. Les graffeurs invités, c'est des gars qui sont hyper humbles, qui sont vraiment, alors qu'ils cartonnent, et c'est une belle rencontre. Et puis, bah, cette émulation d'artistes, tu vois, être ensemble, peindre ensemble, c'est génial en fait. C'est une vraie bonne ambiance, on te fait de belles rencontres, on vient de milieux différents, de délires différents, mais on se rejoint tous sur la peinture et le kiff de peindre ensemble, et même pour les gens, parce que c'est vraiment un univers de partage. Le fait d'être confronté à des artistes internationaux et surtout de voir d'autres styles, pas simplement même à l'intérieur, mais même à La Réunion. On a plein d'artistes talentueux et des fois on croise les œuvres, mais sur les murs, dans les journaux, mais on ne se croise pas vraiment. Et là aujourd'hui, on a cette opportunité-là où tous les artistes
Aujourd'hui, par exemple, ils peignent côte à côte. Et ça, c'est super. Mais le fait de peindre avec des gens qu'on rencontre et qu'on ne connaît pas, comme ça se passe aujourd'hui, c'est vraiment hyper riche d'enseignement. On apprend techniquement, on apprend dans la démarche, dans l'état d'esprit. Moi, avant ma génération, personne ne faisait carrière avec le graffiti. Ça n'existait même pas. Croire en ça, c'était pas facile. Et je pense qu'aujourd'hui, pour la scène réunionnaise, c'est un véritable avantage de rencontrer des artistes d'ailleurs, internationaux, des gens comme Lady Pink, pour se rendre compte que c'est une réalité. Lady Pink, elle peint depuis l'âge de 16 ans, elle a exposé la première fois à 16 ans, et elle a fait carrière, elle est épanouie, et donc c'est possible. Donc je pense que c'est une vraie note d'espoir et de donner la motivation pour avancer. Il y a 20 ans de ça, on était vraiment dans l'illégalité. Maintenant, les gens ils kiffent. Mais je pense qu'à La Réunion, les gens ont toujours bien kiffé le graffiti. C'est plutôt les autorités qui faisaient chier au début. Mais maintenant, La Réunion, c'est le pays du graffiti et du street art. Je crois qu'on a quelque chose d'endémique parce que quand on a commencé le graff à La Réunion, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. On n'avait pas les magazines, on n'avait pas les mêmes bombes. On a dû inventer notre graffiti par nous-mêmes, avec ce qu'on avait, tu vois, avec notre petite palette de couleurs, avec les bouquins, ils sont arrivés longtemps après. Ce Boé Art, enfin tout, Spray Can Art, tous ces trucs, Paris Tonka, on les a eu longtemps après. Tout ce qu'on avait, c'était des trucs qui passaient dans des magazines, tu vois, VSD, ou une photo de MC Solar avec un graphe derrière. Donc on pouvait que fantasmer ce qui se passait ailleurs. Mais du coup, je pense que, en tout cas dans notre crew, elle est ça, on a inventé notre propre style. Après, on parle la même langue, si tu veux. On parle le hip-hop avec les Lady Pink, tu vois. Ça a pris du temps, mais cette culture hip-hop qui est venue des États-Unis, qui a contaminé la France et qui est arrivée à La Réunion avec 10 ans de retard, on la partage en fait, on a les mêmes codes, si tu veux. Et nous, on est heureux parce que cette culture, c'est un peu comme ça vient d'elle, ça vient de cette époque-là, tu vois. Et on parle la même langue, on parle pas le français ni l'anglais, mais on se comprend. I started painting subways in New York when I was 15, 16 years old. But at the same time, when I was 16, I started exhibiting in galleries with some of the older guys had already finished doing their subways and were now moving above ground. So they invited me, the only girl in the city that was doing graffiti. Crash came to my high school to find me and invite me to be in the very first gallery show. And from there on, the demand for the artwork has been nonstop. Maybe the boys were a little more scary, but me, I was more approachable. So I was able to do publicity and television and talk to newspapers and magazines, you know. The other boys, not so much. So the invitations just kept coming and coming and coming. I didn't have time to finish my last year of high school. I was busy with traveling and doing exhibits and going to parties with Keith Haring and then Jean-Michel Basquiat and even to a party with Andy Warhol. I got to meet him when I was 17. And those kinds of life experiences are just priceless. Priceless, more important to me than was school. I was out in the real world exhibiting, traveling, selling my work and making money and being independent and being a grown-up. Mes vraies inspirations à graffiti, c'est ouais, déjà toute la génération new-yorkaise des années 80. Les Futura, les Cop Two Scene, tout ça, c'est vraiment des mecs qui m'ont fait kiffer le délire de la lettre, dont j'ai un peu dévié. Je pense qu'en vrai, moi, je faisais du graffiti quand je peignais dans la rue. Et à partir du moment où j'ai commencé à être en galerie, je suis passé aux personnages, au street art. J'ai fait beaucoup de rap dans mon adolescence. Et en vrai, dans mon travail sur bois, j'essaie de faire des punchlines. Alors des trucs plus ou moins marrants, mais là j'avais Speedy Gonzalez avec une bombe dans la main qui écrit une petite punchline sur le mur, genre
Même ma grand-mère court plus vite que Bip Bip. Tu vois, un peu le gars règle ses comptes, un peu guerre de gang. Et Speedy, il règle ses comptes sur le mur en vannant Bip Bip. J'aime beaucoup la rue dans le sens où c'est un lieu de communication qui est ouvert à tout le monde en fait. En même temps, j'ai pas envie de faire du vandal. En fait, les gens jettent des meubles, jettent des cartons, jettent n'importe quoi. Et du coup, moi, je dessine un personnage, enfin surtout une tête de mes bonnes femmes, et j'écris un mot dans ses cheveux. Il y avait quelqu'un qui avait jeté son frigo. Du coup, j'ai fait une tête de bonne femme et j'ai marqué « consomme » dessus. Enfin, je prends des mots et je les coupe en deux pour donner un autre sens. Donc du coup, j'ai mis « con » et « homme » en dessous et ça fait « consomme ». Moi, je travaille beaucoup sur les femmes et la place de la femme dans la société. On croit tous qu'on est immortel. J'ai perdu l'illusion de l'immortalité. Et mes persos, c'est des mecs qui ont des E sur les yeux. E pour écho, mais pour écu. Tu sais, quand t'es mort, on te met des PS sur les yeux et tu traverses le Styx. Tu vois? Et voilà. En gros, mon truc, c'est je prends un moment, je le fige. Parce qu'on sait pas ce qu'il y aura après. J'aime bien que ça parle. J'aime bien qu'il y ait une idée. Je veux pas faire un dessin pour un dessin. Je peux pas dessiner une montagne ou un paysage. Moi, j'aime bien tout ce qui est le blanc, le noir. Il y a le bon, il y a le mauvais, il y a la nuit, il y a le jour. Moi, j'aime bien confronter ces deux éléments-là. Et c'est ce qui fait un peu mon art. Et j'aime bien les compositions en cercle, parce que pour moi, ça représente une assiette. Et là-dedans, je peux y mettre tous mes ingrédients, toutes mes idées, tous mes plats. Et c'est ce qu'on retrouve dans la vie. On peut retrouver du mauvais, du doux, du salé. Et ça m'intéresse. Ça va faire à peu près 10 ans. Avec un ami qui m'est très cher, Romain Boz, on a monté le groupe de calligraphes urbains qui s'appelle Garbage Beauty. C'était quand même le plus populaire groupe de calligraphes au Canada. On laissait des messages, les objets que les gens y jetaient dans la rue en calligraphie, on laissait tout une petite signature un peu marrante dessus. Et finalement, on s'est fait connaître avec ça et ça nous a ouvert des portes pour peindre sur des murs, pour des festivals, pour de la pub. Je sais que commencer une phrase par la société de consommation, c'est un peu cliché, mais en tant qu'artiste, c'est un des plus grands combats aujourd'hui. Et donc Garbage Beauty, c'est un peu dénoncer la société de consommation, dénoncer le fait que les gens ils jettent des meubles qui sont encore en bon état. Et donc c'était un peu ça, mais on s'en rendait pas compte sur le fait. C'est venu plus tard qu'on s'est dit, putain, mais finalement, on était des activistes. As we grow up, we become aware of the world and the injustices and the terrible things in the world and how they affect us. So this comes out into my art and it is a platform, it is my voice. I can scream out about injustice and things that are wrong, about women's rights, about children's rights, about animal rights, about all of these things. Everyone needs a voice. I understand I was a feminist as a teenager without even knowing what a feminist was. I was just not letting those boys crush me down and tell me, you can't do this because you're a girl. I was like, let me prove it to you that I can. Il y a plusieurs messages, voilà, que ça soit avec une tendance politique, avec une tendance revendicatrice, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que j'en suis venu à là, c'est parce que j'avais besoin de m'exprimer différemment. J'ai un message qui est assez grand sur la place de la femme dans la société. J'ai un message d'incompréhension face à la société dans laquelle on vit. Je ne dis pas que j'en ai une solution, je ne dis pas que je ne suis pas forcément un problème face à cette société, mais il y a quand même une question de fond sur laquelle on devrait tous se poser, et je pense que je me l'impose et que je l'impose vis-à-vis de mes toiles. Et c'est vrai que nous, à notre époque, on a commencé, je sais pas, moi je me rappelle des graphes qu'on avait fait, j'ai la haine. On avait des messages dans le lettrage, on avait des messages à passer. Aujourd'hui, le message, je pense qu'il est plus symbolique.
Moi, dans mes PSO que je fais en ce moment, ce que je veux faire passer, c'est cette émotion un peu dark qu'ils ont en eux, mais qui finalement est contenue et gérée, mais qui est finalement présente au fond. Moi, je pense que par sa nature, le graffiti a quand même un message libertaire d'expression. On n'est pas. Le graffiti, c'est un acte public. D'une manière, c'est un acte citoyen. On s'exprime dans l'agora, on s'exprime dans la cité. Donc, quel que soit ce qu'on fait, finalement, ce n'est pas forcément ce qu'on représente ou ce qu'on va peindre qui doit inclure le message. C'est la démarche même, la manière dont cette peinture est faite qui peut être suffisante. Sur une 10e édition, une 13e édition. Je peux te donner c'est quoi mon objectif? T'as vu la route de la corniche? T'as vu le grand mur? C'est ça que je veux. Quand c'est fini, je veux qu'on fasse venir des Américains, des Australiens, des Chinois, et je veux qu'on fasse la plus grosse fresque possible en qualité, parce que le mur il est immense, il faudrait au moins 3000 bombes pour le boucler, tu vois. Je veux que une fois que ce mur est fait, t'as toute la planète connaisse la Réunion à cause de ce mur. Voilà. Merci Echo de m'avoir invité, c'est super chouette parce que bah, je rencontre des super graffeurs comme Phoenix, je suis trop fan de son travail. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont permis à nous autres artistes d'être là, franchement, respect. Big up la Réunion.